C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Ce gestionnaire de mise à jour qui m'indique déjà 4 minutes au début, maintenant 3 minutes, mais qui n'a téléchargé que 66,3 mégas sur 872. C'est quoi ce bordel? Moi, rien n'y comprendre. Rien du tout. Donc c'est même pas à dire, hein. J'utilise ma bande passante, oui en upload, et encore en upload je peux monter jusqu'à 1500 kilooctets seconde, donc je n'utilise que 150 à la seconde. En download je peux monter à 6 7000 kilooctets secondes, donc c'est même pas dire que c'est un problème chez moi avec ma bande passante. Non. Ben oui, pas dit, je vois, c'est du communautaire. Et moi qui me dis, oh ouais, allez, je vais laisser gestionnaire de mise à jour, allez, et je vais revenir voir d'ici 5 minutes. Bon, au pire, je reviendrai dans 10 minutes, mais là, non, c'est, je dois revenir quand? À minuit? Demain matin? Mais ce qu'on peut faire, allez, on va annuler. On va annuler. Préférence. Donc, mon entier. Je vais bien à la limite. Allez. Vitesse. J'actualise. Détail. On va tester un miroir français. En plus, je ne monte les détails. Il n'y a peut-être pas de détails à voir, mais je n'ai rien. Ben non, c'est du. Mais quelle affaire! C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Bon. Ouais, faut arrêter maintenant. Allez, oh. Tantôt, allez. On va faire ça. On va annuler. Préférence. Maintenant, on va passer sur le belge, mais je vais bien actualiser. Voilà, j'actualise. Donc, je ne dis pas que ça ne va pas, mais putain, le temps dit. C'est-à-dire que le mec qui va installer cette version, cette édition, ben il en a pour, je sais pas moi, une demi-journée. Eh, gardez ça, dit. Je suis à quoi 50 km au seconde? 100? Peut-être? Ouais, je devrais être à 100, là, un peu plus de 100 maintenant. Bon, on est d'accord, c'est bon. Oh, j'abandonne. On abandonne, hein, vous êtes d'accord?
pour le fun, on laisserait bien aller, hein. Mais alors, quoi, je reviens vers vous à minuit, quoi, ou demain matin. Pas dit. Donc, je parle pas tout seul, hein. Quand je réponds comme ça, c'est que je réponds d'après le chat, c'est du communautaire, oui. Tu es sûr que tu es sur le bon miroir? Bah écoute, j'en ai testé plusieurs, effectivement, il y a un souci. C'est un des gros défauts de Manjaro, le réseau avec des énormes mises à jour installées. Ouais. Voilà, juste pour le fun, regardez, hein. On annule. On va aller dans préférences. Dépôt officiel. Je sais quand. Pardon. Voilà. Là, ils doivent en avoir un bon. Ou en Allemagne. On va actualiser. Mais de toute façon, peu importe lequel je prendrai, je pense que. Heureusement que je suis revenu voir. Au départ, je me dis je vais laisser aller pendant. Je viendrai pas voir, ça se fera. Heureusement que je suis venu voir. Je vais quand même relancer l'édition XFCE et on va installer quelque chose d'un peu plus conséquent. Attendez, je lis le chat. J'ai remarqué aussi que le soir, leurs dépôts sont beaucoup plus longs. Peut-être plus de monde connecté. Ouais, à mon avis, c'est sûr. C'est comme ici, ma bande passante à moi, ben voilà. Pendant les heures creuses, les heures pleines. Là, ça va, je suis dans la bonne. Ça va. Je le vois, de toute façon, je le vois direct aux images perdues via OBS. Quand je commence à avoir des images perdues, c'est que je suis en heure pleine. Et là, c'est le bordel. Donc, je l'ai fait. J'applique. Donc, dépôt néerlandais. Je valide. Ah, tiens. Peut-être parce que j'ai fait longtemps que c'est ouvert. Détail. Non, vous voyez, peu importe le dépôt. Donc, j'annule. J'annule. Maintenant, on va faire ceci. Shutdown. On va lancer la version XFCE qui tourne. Enfin non, j'allais dire qui tourne autrement. Je n'ai pas dit que cette version communautaire ne tournait pas bien. Elle tourne quand même bien. Mais alors, au niveau des miroirs, pour obtenir les mises à jour, c'est la cata. Ils devraient sortir, surtout eux, surtout les images ISO dites communautaires, sortir beaucoup plus d'images ISO régulièrement. Voilà, donc ce qu'on va faire ça. On va aller chercher Opéra. On va chercher Opéra. C'est juste parce que le poids est conséquent. 165 mégas. Maintenant, j'ai l'air con s'il faut une plombe, hein. Donc, j'applique. Je valide. Je mets le mot de passe. Voilà. Donne-moi les détails. Regardez ça. On est d'accord? Enfin, les 165 mégas, c'était après l'installation. Mais en téléchargement, c'est 47 mégas. Regardez. 39, 41, 42, 44, 46, c'est fini. Voilà. Voilà une des différences. Comme pas dit de la relever. D'une distribution, en tout cas chez Manjaro. D'une distribution dite officielle, d'une distribution supportée par la communauté.
Voilà. C'est déjà installé. En plus, l'installation, parce qu'il y a le téléchargement qui va vite. Mais après, il y a l'installation. Ça va aussi vite, hein. C'est incroyable. On va voir s'il n'y a pas d'erreur. J'en ai pas vu dans le terminal. Voilà. Magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Eh bien, je suis surpris par Manjaro. Les versions officielles. Les versions communautaires, je suis surpris aussi, ça va bien. Mais alors, c'est le bordel au niveau des mises à jour. Quand je dis le bordel, c'est... Eh bien, il faut le temps. J'ai eu le temps de vider ma cigarette électronique. Ça va? J'espère que cette présentation, elle vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a plu. Oh, 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 laquelle? En tout cas, elle m'a plu. Et si on n'était pas beaucoup, ben j'espère que la vidéo sera vue par la suite avec le replay. Je vous remercie de me suivre et je remercie les membres de la communauté Blabla sur Facebook. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Patience, ça monte.